Thank you.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live stream, j'espère que vous êtes en forme. Je suis Vincent et nous allons être ensemble pour un peu plus d'une heure pour parler des nouveautés de l'écosystème Adobe Substance 3D, Adobe en français. Pour être tout à fait transparent, ce n'est pas un nouveau contenu, c'est un contenu que nous avons fait, un live stream que nous avons fait la semaine dernière, mais en anglais, avec Jérémy et Wes. Donc j'essaye de prendre la bonne habitude en fait de traduire ces live streams en français pour aujourd'hui et en espagnol demain. Je vais essayer de me tenir à cette habitude, j'espère que vous apprécierez. Si vous appréciez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous voyez des choses à améliorer, n'hésitez pas non plus à le dire dans les commentaires. Comme vous voyez, c'est un peu en construction, j'ai amélioré un peu la lumière derrière. La présentation devrait être un peu plus propre qu'avant, j'espère que vous appréciez. Et encore une fois, n'hésitez pas à donner du feedback. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc laissez-moi passer à la présentation. Voilà, vous avez vu, il y a des belles transitions maintenant, ça rigole plus. Donc, encore une fois, j'ai repris la présentation d'Adobe, je l'ai traduite, excepté cette page. Donc allons-y. Donc on va commencer avec toutes les mises à jour produits. En commençant par Modeler qu'on a mis, c'est celui qu'on a mis à jour le moins récemment. On l'a mis en décembre, à mi-décembre si je ne me trompe pas, mais avec des nouveautés sympathiques, donc on va les voir. Donc c'est la sortie de Modeler 1.1. Donc le premier c'est Array Copy. Donc en fait c'est une méthode pour... je vais vous montrer juste après en fait, ce sera plus simple. Donc, on a aussi les coupes booléennes, la boîte de dialogue d'exportation améliorée et la prise en charge des UDIM. Donc, si vous travaillez dans le VFX, par exemple, et dans d'autres industries, ça peut être utile. Et d'autres améliorations. Donc, je vais tout de suite passer un écran, en fait, vu qu'on a un peu plus de temps, qu'on est entre nous. Vous pouvez poser premièrement les questions dans le chat. Et deuxièmement, en fait, je vais faire des pauses et je vais directement aller dans les logiciels. Donc, on va aller ici à Modeler. Laissez-moi voir ça. Ah tiens, j'ai pas mis partager. Donc. Desktop, je ne l'ai pas là. Non, oui, je l'ai là. C'est pas grave. Voilà. Donc là, on est dans Modeler. Donc on a dit qu'est-ce qu'on voulait voir. On voulait voir plusieurs choses. Alors premièrement, ouais, ce qu'on appelle le copy, en fait, c'est une copie assez sympa. Donc si vous connaissez pas Modeler, c'est un outil qui vous permet de modéliser soit en réalité virtuelle, soit directement sur le bureau. Donc là je suis dans la version bureau, vous voyez que j'ai pas de casque, hein. Donc vous pouvez manipuler l'objet, changer, vous avez différents paramètres. Là je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Voilà, disons que je vais faire quelque chose comme ça, on va dire que par exemple ce serait pour une voie ferrée, je sais pas. Voilà, et là en fait ce que vous voyez c'est un tampon, c'est-à-dire que c'est pas encore un objet. Pour que ce soit un objet, il faut que je fasse un coup de barre d'espace ou apply ici. Et maintenant c'est un objet qui est là, vous voyez. Donc ce que je vais faire, je vais double-cliquer dessus et là je passe en mode sélection. Et pour ce que je vais vous montrer en fait, c'est la nouvelle fonction. Je peux le bouger comme ça en utilisant le gizmo. Mais par contre si je maintiens la touche D, je vais faire une copie. Et là, j'ai toujours le D appuyé. Et maintenant, si je me sers de la molette de la souris et que je roule, vous voyez que je peux créer des copies comme ça, soit à l'extérieur ou soit si je vais, je peux le faire à l'intérieur, comme ça. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle fonction qu'on a rajoutée. Donc maintenant, vous avez tous ces objets. On va continuer voir le tour. Donc oui, on a vu qu'on avait aussi des nouvelles opérations booléennes. Donc on va effacer ça rapidement. Je reviens là. En mode sculpture, je vais prendre un autre objet, hop, on va le remettre à niveau. Voilà, donc on va dire que j'ai cet objet là par exemple qui me plaît bien. Donc ça y est, maintenant c'est un objet et je vais faire maintenant un autre objet. Donc je vais faire un nouveau calque, c'est CTRL N et là je reviens avec mes petits yeux de départ par exemple. Je vais activer la symétrie, clic droit, symétrie. Oups, je l'ai pas fait. On recommence, clic droit, symétrie, merci. Voilà. Donc je vais réduire un peu ça. Et je vais aller en mode sélection. Oups, pardon. Je vais retourner là. Je vais le refaire un petit coup. J'ai oublié.
de faire barre d'espace. Donc maintenant je fais barre d'espace, donc j'ai mon objet, comme on voit ici. Et maintenant je vais en mode sélection et on a un nouveau mode de booléen qui fait une intersection en fait entre les deux. Donc si je fais un clic droit, je vais ici dans les opérations booléennes, j'ai celui-là qui me permet de prendre mon objet, de le bouger. Voilà, je fais clic droit et je fais appliquer. Et maintenant, vous voyez que ça m'a créé un nouvel objet. Donc je peux aller dedans, je peux aller le sculpter si j'ai besoin. On va appliquer la symétrie encore une fois. Voilà, je l'ai. Voilà. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez après. Voilà, donc ça c'est aussi un nouveau mode d'opération booléenne qu'on a. On en avait un aussi qui était directement dans la sculpture. Quoi d'autre? On a aussi revu l'interface pour Modeler, pour faire les réglages un peu plus pratiques. Voilà, donc c'est les principales choses. Je lis un petit coup les commentaires. Emmanuel qui parle français. Hablas espagnol, solo sé, pero francés no lo sabía. D'ailleurs, pour s'il y a des amis hispanophones, demain je fais la même chose en espagnol. Donc revenons à la présentation une seconde. Donc elle est là. Et ici, voilà. Donc, on va continuer. Donc, ça, c'est les nouveautés qu'on vient d'apporter, comme je vous ai dit. Et il y a des choses qui vont arriver bientôt. On va améliorer la décimation. Alors, au cas où vous ne savez pas la décimation, c'est en fait quand on est dans Modeler, en fait, on travaille en voxel. Donc, c'est très bien. Mais après, effectivement, si on veut travailler dans d'autres applications, il faut transformer tout ça en mèche, en maillage, et pour ça on utilise des algorithmes de décimation qui vont calculer comment faire le maillage. Donc c'est quelque chose qu'on va améliorer. L'éclairage, on a fait quelques tests, et c'est assez prometteur, on a vu ça. La prise en charge des fichiers CAD, donc ça c'est si vous travaillez dans les industries du design par exemple, ou l'automobile, ça peut vous intéresser. Et GPU Sculpting, alors je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas ce que c'est exactement, j'imagine qu'on va accélérer en fait... Quand on sculpte, on va plus se reposer sur la carte graphique et donc on devrait avoir de meilleures performances. Donc voilà, ça c'est quelques rendus faits par l'équipe, donc avec Sinolai qui est une machine, Louise Melin qui travaille fort aussi, Joshua, Lawrence, etc. Vous avez un groupe Discord aussi, alors anglophone pour le coup. En fait, c'est un canal du serveur Discord de Substance 3D, donc n'hésitez pas à scanner. Je laisse 2 secondes, sinon vous reviendrez sur la présentation. Voilà, c'est scanné. 3, 2, 1, trop tard, l'appareil photo n'est pas chargé. Continuons. Alors, sampler, ça c'est... On a une mise à jour qui est beaucoup plus récente, qui date de la semaine dernière, qui a fait beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté la photogrammétrie. Alors, la photogrammétrie, je ne sais pas s'il y a des personnes de Lyon dans le canal, peut-être qu'ils travaillent tous, mais en fait, ça a été développé par l'équipe de Substance 3D Lyon. Et la photogrammétrie, en fait, ça consiste à prendre des photos d'un objet, d'un élément, dans certaines conditions, un éclairage assez neutre, le prendre sous tous ses angles, etc. Et à partir de là, on peut reconstruire l'objet en 3D. Donc c'est assez cool, ça marche plutôt bien. Et encore une fois, je veux faire cette présentation interactive, donc je vais faire un petit truc. Je vais lancer Sampler. Donc on va partager le bureau encore une fois. Donc là, j'ai Sampler ici. Donc je vais créer un nouveau projet. Et en fait, alors c'est pas moi qui ai fait les photos, c'est Wes, mais vous voyez en fait que Wes, vous avez la vidéo d'ailleurs dans les commentaires en fait, où il explique comment faire tout ça, mais on va le faire ensemble. Donc vous voyez, c'est une vidéo où avec plusieurs angles de vue, là je suis en accéléré, voilà, il a pris l'objet sous toutes ses coutures, il y est allé un jour de nuageux pour avoir un éclairage uniforme, et on va donner tout ça à Sampler. Donc, vous voyez ici, vous pouvez choisir New 3D Object. Donc, il va me dire importer vos données. Donc, je reviens sur le dossier, je sélectionne tout ça.
Alors j'espère que ça va pas ralentir le live stream, je pense pas, normalement j'ai une bonne machine. Salut Lucator. Voilà, donc là il est en train de regarder les images, d'analyser un petit peu tout ça. Ça j'en ai plus besoin, je vais le fermer. Voilà, il voit les images. Il va proposer de faire un masque. Dans ce cas précis, j'ai pas vraiment besoin d'un masque, mais en fait vous avez effectivement une fonction qui vous permet, si c'est un objet, je sais pas, par exemple comme ma souris, vous pouvez faire un masque pour qu'il essaye de retirer le fond. Ça marche assez bien. Alors c'est l'avantage d'être chez Adobe. En fait, on s'est servi de certains algorithmes et les fonctionnalités qui sont dans Photoshop pour créer des masques automatiquement. Donc ça, c'est assez unique et ça gagne énormément de temps. Donc on va l'appeler Tron. Voilà. Nombre de photos 38, image dimension, la taille, il a pris toutes les infos. Et donc le masque, ça aurait été comme ça. Je peux soit les importer si j'ai des masques ou soit les générer. Je pense que dans ce cas précis, j'en ai pas besoin. Donc je vais faire soumettre. Précision, je vais mettre haute. Ordre des photos, je vais laisser par défaut. Sinon, il y a une séquence si elles sont numérotées. Je suis pas sûr. De toute façon, ça va marcher. J'ai déjà essayé avant. Donc voilà, je vais laisser processer tout ça. On va le laisser travailler. Et pendant ce temps-là, je vais répondre. J'ai une question. Lucator a une question. Est-ce qu'il y aura un support natif des Quest Pro à l'avenir pour Modeler ou ce sera que sur PC? Non, normalement. Alors normalement, on va essayer de. Pour le moment, c'est sur Quest 2 uniquement. C'est quelque chose qui, si tout va bien, va changer dans le futur. Maintenant, voilà, c'est du travail. Faut s'adapter à chaque machine. Donc, on n'a pas de date de disponibilité pour le Quest Pro en particulier. Peut-être. Je connais pas les spécifications. Ça dépend du casque, comment ça marche. Évidemment, ça demande quand même beaucoup de puissance. Donc, ça peut pas difficilement marcher en natif sur un casque. Il faut quand même le brancher à un PC ou peut-être un Mac. Alors attendez, je sais pas, j'ai perdu. Ah voilà, je sais pas pourquoi ça a changé d'écran. Désolé pour le blanc, j'ai eu une petite frayeur, j'avais l'impression que ça avait crashé. Non, ça n'a pas crashé. Bonjour, ça arrive quel jour précisément? Donc ce sera le 32 février à 25h37. Voilà, donc là, ça y est, la reconstruction du mesh est effectuée. On voit que les bords sont verts. Y a pas, ça veut dire qu'il a bien compris, il pense avoir bien compris toutes les images et les angles de vue. Et vous voyez là en haut, on a les caméras et en bas, on a l'objet. Donc on est content avec ça. Géométrie détail, je vais mettre full. Et on a la région d'intérêt. Alors là, par exemple, ça c'est intéressant parce qu'on voit que tous ces points-là autour, ils sont pas forcément intéressants pour nous. Donc on peut lui dire, oups, pardon, ici. On va regarder, vous voyez, et ça c'est la boîte qu'il a calculée, mais en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Donc on peut reprendre la boîte et on va la réduire un peu pour reprendre vraiment les parties qui nous intéressent. On n'a pas besoin. Ça reste super facile. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait de la photogrammétrie. On va dire, c'est un art jusqu'ici assez technique, assez précis, qui laisse pas beaucoup de place à l'erreur. On a essayé de garder quelque chose de puissant mais accessible à la fois. Oups. Ça, par contre, je voulais pas faire ça. C'est pas grave. J'ai fait une petite rotation. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais élargir un petit peu. Et en hauteur, rajouter un petit peu pour ne rien louper. Voilà, une fois qu'on a fait ça, géométrie détail full, high, medium. Vu qu'on est. Voilà, je vais peut-être le mettre en high, juste pour baisser un petit peu, vu qu'on est entre nous. Je veux pas faire travailler trop fort ma machine pendant que je fais un stream. Voilà, donc je fais soumettre. Voilà, donc on va le laisser faire. Et pendant ce temps-là, je vais revenir à la présentation. Voilà, donc ça c'est. Voilà, je vous montrerai le résultat quand ce sera fait. Donc en gros, ce qu'on promet, c'est une reconstruction rapide de qualité.
un masquage automatique du sujet, comme on l'a vu. Je ne l'ai pas encore testé, donc, mais je suis curieux de voir. Et donc, on peut décimer, c'est-à-dire calculer le mesh, la qualité du maillage final, et le baking intégré, c'est-à-dire calculer la texture qui va avec, en fait. Et ça marche aussi bien sur Windows que sur Mac. On utilise deux technologies similaires pour que ça marche sur les deux. Donc, c'est très, très cool. Si vous avez l'occasion, essayez-le. Et surtout, regardez les deux liens qui sont dans les commentaires qui vous permettent, en fait, de commencer à travailler. Il y a un lien qui est une introduction facile. Et si vous voulez vraiment aller dans quelque chose de précis, professionnel, on a toute une série faite par Lorenz, un de mes collègues, qui est excellente. Donc, allez-y, foncez dessus. Mais bon, après le live, évidemment. Donc, ça, ce sont des exemples, encore une fois, faits par mes collègues, de choses qui sont scannées. Donc, vous voyez les résultats qu'on peut obtenir. C'est assez bluffant. Ensuite, Adobe Substance 3D Designer. Donc, on a quelques petites choses qu'on a rajoutées dans la dernière. C'était pas une release majeure, mais c'était une release qu'on appelle Quality of Life pour améliorer, on va dire, des petits points du flux de travail qui peuvent être énervants. Voilà, on a travaillé là-dessus. Donc, il y en a plusieurs. Il a été publié également la semaine dernière. On a publié le même jour trois mises à jour. Sampler, Designer et Stager. Donc, on a rajouté des choses pour nettoyer le graph de manière un peu plus complète que ce qu'on avait avant. On peut rentrer des formules en tant que paramètres. Encore une fois, je vous montre juste après. Donc, on va prendre 5 minutes pour voir ça. De toute façon, j'ai toujours Sampler qui est en train de travailler. C'est dommage, je pense que j'ai un bon micro, donc vous entendez pas mon PC, mais ça tourne bien. Et voilà, on peut aussi basculer quand on a une entrée, c'est-à-dire un nœud de input qui était couleur ou gris. Maintenant, on peut changer de l'un à l'autre. C'est-à-dire, si on s'est trompé, on n'a pas besoin d'effacer et remettre. On a juste à faire un clic droit, on va voir ça. On peut sélectionner tous les nœuds enfants. Avant, on pouvait déjà sélectionner les nœuds parents, et maintenant, on peut faire dans l'autre sens. On a un bouton seed aléatoire. Alors, ça se traduit graine aléatoire, mais j'aime pas trop l'expression. Donc voilà, on va dire seed aléatoire. Et on peut réinitialiser la plage des curseurs. Donc encore une fois, je partage mon bureau. Et je mets designer. Donc vous voyez ce magnifique graphe que j'ai fait juste avant de commencer. Non, c'est pas vrai. J'ai juste copié-collé le matériel de bois qui a par défaut. Je crois que c'est Oakwood, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on a. Donc, un des premiers paramètres qu'on a vu, une des nouvelles fonctions, c'est pour nettoyer. Donc maintenant, on peut choisir de nettoyer aussi bien le graphe que les fonctions paramètres. Donc voilà, c'est surtout ça qui est nouveau. Vous avez ça ici et vous l'avez également dans l'Explorer. Donc, vous pouvez choisir plusieurs graphes et faire du nettoyage à la fois. Donc, si vous faites ça, là, je vais faire Selected Graph Only. Et vous voyez, là, j'avais mis des nœuds en trop et qui était connecté à rien, donc il explique ce qu'il a fait. Donc il a enlevé 6 nœuds. S'il y avait des paramètres aussi qui servaient à rien, par exemple, il les aurait enlevés de la même manière. Laissez-moi voir, je vais essayer de pas me perdre pendant que je fais la présentation. Donc ça, on a vu pour cleaner. Oui, alors ça, c'est assez cool. Donc on peut maintenant taper des formules dans les paramètres. Donc par exemple, je vais prendre le splatter circular qui vous permet de générer ces magnifiques formes. Et donc, par exemple, bon, en fait, c'est que vous pouvez utiliser les paramètres comme une calculatrice. Donc, si vous avez une formule et que vous ne voulez pas calculer, aller chercher la paramètre, par exemple, si vous savez que vous devez en mettre 35 x 7, vous marquez et hop, il fait le calcul, 245 pour vous. Donc, c'est pareil pour ceux qui sont un peu plus techniques, si vous faites des fonctions, des choses comme ça, c'est juste un petit gain de temps. Encore une fois, ça vous épite d'aller sortir la calculatrice juste pour ça. On a rajouté des boutons ici. Avant, si vous vous rappelez, il fallait aller dans Display pour voir tout ça. Maintenant, vous voyez qu'ici, on a des boutons qui vous permettent d'afficher le maillage, les coordonnées, la cage, la grille, etc. Donc, encore une fois, c'est pas une révolution, mais ça peut vous gagner quelques clics, c'est toujours plus agréable. Ça, c'est quelque chose qui paraît anodin aussi, mais qui est très bien. Donc, attendez, je vais chercher par exemple un nœud. En fait, comme vous savez, chaque nœud, si vous allez dans les paramètres, vous avez dans les attributs, si je me trompe pas, non.
dans les paramètres de base, vous avez une random seed, donc une graine aléatoire, c'est-à-dire qui vous permet en fait de changer l'apparence aléatoirement. En fait. Alors c'est très bien, mais souvent ce qui se passe, c'est que par défaut, si on est un petit peu feignant, on va choisir parmi les 10 qu'il y a là, parce que voilà, sinon il faut aller là, il faut taper 257, et on ne va pas taper un chiffre. Donc voilà, ça marche, mais on retrouve des personnes soit qui ne les changent pas, soit avec des choses très similaires. Maintenant, vous avez un bouton qui vous permet de les faire pour vous, donc vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête, vous cliquez juste une fois dessus, et vous avez de fortes chances de ne pas avoir le même que votre voisin. À moins que, ou alors jouer au loto, parce que ça reste très proche. Je fais un petit tour sur les questions. Hâte de pouvoir tester la photogrammétrie. Bah, tu pourras juste après, si tu veux. VGST, j'aime. Ah, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas pourquoi. Faudrait que tu donnes des explications. Voilà. Salut Guillaume. Et je regarde. GW aussi, bonjour. Bonjour. Alors, quel jour ça arrive précisément? Oui, ça, j'ai déjà répondu. Je pense que c'est on parlait du casque Oculus, du support de modeler. Voilà, donc ça, c'est pareil, ça va vous changer un petit peu, vous gagnez quelques secondes à chaque fois dans votre pipeline. Alors, je suis désolé, j'utilise beaucoup d'anglicisme, c'est des formations professionnelles. Quelque chose qui est très sympa aussi, c'est par exemple, vous savez sûrement que dans les graphes ou les nœuds, vous pouvez choisir la taille de sortie. Donc par exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre des valeurs qui sont égales. Donc par exemple, là vous voyez, j'ai quelque chose de rectangulaire, c'est toujours des puissances de 2, mais vous pouvez changer la taille d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est que dans ce cas précis, si vous voulez garder ce ratio, bah avant en fait, par exemple, si vous voulez grandir ça, il fallait faire 5 ici, et puis grandir, ajuster là. Maintenant, vous avez ce petit lien qui, une fois que vous avez... Ah non! J'ai l'impression que je dis des bêtises. En fait, ça permet simplement de sauver des clics. J'ai pas l'impression. Ouais, non, alors je dis des bêtises. Vous pouvez pas garder le ratio. Je vais peut-être le proposer à l'équipe. Ça aurait été sympa. Je l'ai testé trop vite. Donc, en gros, ça vous permet d'éviter, si vous voulez agrandir, d'avoir changé la largeur puis la hauteur. La largeur puis la hauteur. Les deux sont liés ensemble. Encore une fois, je trouve que ça pourrait être sympa si on change le ratio avant et qu'ensuite ce soit lié et comme ça bouge en même temps. À proposer à l'équipe. Je crois qu'il y en a sûrement qui nous écoute. Quoi d'autre? Ah oui, celle-là, elle est bien. Donc, comme on a dit, on a les nœuds qui s'appellent les nœuds Input Color et Grayscale. Donc, parfois, on en a besoin. Et par exemple, là, imaginons que je le branche ici. Je dis, ah mince, je me suis trompé. Donc, avant, ce qu'il fallait faire, c'était supprimer ça. Aller chercher un Input Grayscale. Et le brancher. Eh bien, messieurs, dames, plus maintenant, parce que je reviens avec mon input color, j'ai envie de me tromper. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est directement un clic droit, et vous avez switch type to grayscale. Et voilà. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'aller rechercher un nouveau nœud, vous l'avez directement ici. Quelques clics de sauver. Les mises à jour. Alors, la mise à jour, elle est sortie la semaine. Alors, celle de Modeler, elle est sortie en décembre et la prochaine, je ne vais pas donner de date parce que je ne sais pas encore. Peut-être aux alentours de GDC, mais j'en suis même pas sûr. Donc, pas de date pour le moment. La mise à jour de Sampler, elle est déjà sortie. Donc, la semaine dernière. Mais Guillaume, dans le chat, travaille et fait partie de l'équipe Substance. Donc, n'hésitez pas à le harceler, ça lui fera plaisir, j'en doute pas une seule seconde. J'ai pas vu celui-là, je vais le marquer ici. Je vais juste le prendre, je vais l'amener ici parce que je l'ai pas vu, je l'ai pas regardé. Voilà, donc on a mis des... Ah oui, c'est vrai ça, on a changé quelque chose dans les gradients. Maintenant on peut récupérer des points plus facilement. C'est-à-dire on prendra ici, tac, et il est sélectionné par défaut. Donc ça évite, avant en fait c'était pas le cas, donc il fallait ouvrir le gradient, souvent on avait les points, aller rechercher le point, etc. Donc ça vous gagne aussi, pareil, quelques secondes. On a fait le même type de mise à jour pour Painter en septembre, octobre, je sais plus exactement, c'était vraiment ça, du quality of life, c'est-à-dire vraiment pour améliorer des petites choses, mais qui, voilà, c'est juste enlever des petites épines du processus de travail. Alors, laissez-moi voir, ça on a fait. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer aussi sur ce graphe, c'est que maintenant, on peut, si je clique ici, je peux faire un clic droit. Avant, je pouvais choisir les nodes au-dessus. Donc du coup, déplacer tout ce qui était
en amont. Maintenant, on peut choisir aussi celles qui sont en aval. Donc ça vous permet de, premièrement, de voir un peu plus clair dans votre flux de travail, parfois de redéplacer. On a mis quelques ajouts dans l'API Python. Je crois que c'est à peu près tout, en fait. Non, c'est pas tout, mais voilà, on a fait des quelques fixes, mais c'est les grosses fonctionnalités, c'est celles-là. Donc on va fermer ça. Oh, regardez. Alors tout à l'heure, j'ai retourné la cage, je sais pas si vous vous rappelez, sans le faire exprès. Donc du coup, mon objet est à l'envers, mais ça, c'est pas grave. Voilà, donc du coup, si ça tourne à l'envers, c'est normal, mais ça marche bien. Vous voyez que la reconstruction est de très bonne qualité. Voilà, là, j'irai faire un tour dans un autre logiciel pour le remettre à l'endroit, mais c'est vraiment... Le logiciel marche bien, c'est qu'au moment de... Quand j'ai coupé la cage, en fait, choisi les dimensions, sans le faire exprès, j'ai fait une rotation de 180 degrés. Voilà, du coup. Mais voilà, c'est le genre de qualité que vous pouvez avoir. Et encore, j'ai choisi Medium, si je me trompe pas, pour aller assez vite. Donc, vous voyez que ça marche très bien. Donc, n'hésitez pas à tester, à partager. Moi, je suis super enthousiaste. J'ai quelques objets que je veux scanner quand j'aurai un peu de temps. Ça marche vraiment bien. Voilà, après vous pouvez faire ajouter au projet, ça va se rajouter ici. Et vous pouvez l'exporter, etc. Dans Painter par exemple, pour ajouter des effets comme OS par exemple, je pense que ça va partager aujourd'hui avec de la neige sur le dessus. Donc on peut, voilà, tout, après vous avez toute la puissance pour texturer avec Painter. Et oui, ça marche, ouais, c'est trop bien. Voilà, même un bon artiste, faire ça à la main, ça demande quand même du bon boulot. Voilà, vraiment bien la cage de bec, on va voir ça. On peut le remettre à l'endroit dans Sampler. Bon, ben voilà, une fois dans le projet, parfait, je ne le savais pas, je l'apprends. Donc merci Guillaume. Donc on va fermer Sampler pour le moment. Voilà, et on va continuer notre présentation. Donc, on a vu Designer, on a vu Sampler, on va voir Painter. Donc Painter, la mise à jour est sortie en janvier, justement, dans le chat qui GW qui disait très bien la cache de Bake. Donc oui, effectivement, c'est la grosse nouveauté qu'on a sortie. J'ai Painter dans le coin, ouais. Ouvrir Bitmap. Je suis désolé, la prochaine fois, je ferai peut-être l'effort de mettre les interfaces en français. Si vous me direz, en fait, si vous préférez que je la mette en anglais ou en français. J'ai l'habitude de travailler avec les interfaces en anglais, mais je peux faire l'effort pour vous. Donc, effectivement, on a une nouvelle interface pour de baking. Alors, je ne vais pas traduire, ou alors sinon, ça va être un peu long. De génération de calcul, de génération d'images basées sur le maillage de l'objet et les propriétés de forme de l'objet. C'est un peu long, on va dire, baking. Donc, une nouvelle manière d'accéder, aussi un nouveau raccourci. Vous voyez ce petit croissant, donc made in France, évidemment, donc un croissant. Hein. Et maintenant, c'est F8 pour accéder. Avant, c'était CTRL majuscule B, ou alors par ici, ça c'est toujours le cas, je pense. Mais bon, là, maintenant, en fait, c'est plus simple ici. Donc, vous avez une nouvelle interface. Je ne vais pas faire le tour. Vous avez un lien dans les commentaires, en fait, Louise Melin a fait un super tutoriel où elle explique tout en détail en 10 minutes. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Mais vous voyez, alors, on a quand même une prévisualisation qui est très intéressante. Et on a plusieurs manières de voir le mesh. Alors on a un matériel neutre. Là, on voit la cage par-dessus. Donc on peut choisir, par exemple, ici. Moi, je ne veux pas voir la cage. Je ne veux pas voir le wireframe, par exemple. Donc vous pouvez voir le mesh comme ça. Mais au cas où, c'est faisable. Ça peut s'utiliser, ça peut être utile. Vous pouvez voir les coutures s'il y en a, vous pouvez voir le projet, vous pouvez voir les différents becs. Donc là, je vais lancer juste pour le fun, pour montrer que j'ai une bonne carte graphique. C'est encore une fois sûrement les bakers les plus rapides du marché. Voilà, on peut. Je prends voilà, à bon entendeur. Après, si vous trouvez plus rapide, bon courage, mais là on en est à je sais pas combien de textures de calculer. Il y en a un bon paquet quand même. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, en 2048, donc ouais, ça va, c'était quand même assez rapide, je crois que ça a mis 10 secondes. Et vous pouvez voir ici le résultat Curvet. Voilà, donc vous avez les différents, vous
vais les faire passer. Bon, là, c'était assez facile. La chose qui est bien, c'est quand vous revenez, alors j'appuie sur F9 pour revenir, ça vous garde par défaut la dernière que vous aviez. Et vous pouvez toujours revenir ici. Donc, c'était un exemple pas très intéressant. Vous avez aussi un système de cage avec un... Si vous avez un modèle haute résolution, vous pouvez maintenant détecter en fait là où il y a des problèmes et ajuster la cage en fonction. On est conscient, alors ça corrige vraiment 80-90% des soucis qu'on avait, du feedback qu'on a reçu, notamment sur la prévisualisation. On veut, ça continuera d'être amélioré. Par exemple, je sais qu'on nous demande souvent de pouvoir ajuster localement la cage. Alors, je ne vais pas dire quand, comment, pourquoi, mais on est conscient que c'est un des points encore qu'on peut améliorer. Donc, ça viendra un moment. Mais voilà, c'est déjà une énorme passe de travaux. Amnobody, salut Vincent. Est-ce que designer et painter utilisent le même système de baking? Y en a-t-il un plus efficace, plus rapide que l'autre? La base est la même. Donc, il n'y en a pas un qui est plus rapide que l'autre. On a testé récemment parce que quelqu'un justement disait qu'il y en avait un qui était plus rapide et on a fait les tests et non, il n'y en a pas un qui est plus rapide. Et je pense que ça va s'uniformiser encore plus dans le futur. On a une équipe dédiée qui travaille vraiment sur ça. Donc c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Et voilà, on avait toujours eu les bakers les plus rapides, mais on avait un effort à faire au niveau de l'interface, de l'ergonomie pour que ce soit beaucoup plus agréable. On a reçu de l'excellent feedback, donc on est content et on va continuer sur notre lancée. Voilà, Guillaume Domaine, dans l'équipe, nous avons testé des statues de parc par exemple, une simple smartphone, il y a de jolis résultats dans Sampler. Je suis en train de lire ce qu'on a dans le chat. Remarque, si je veux faire ça, je peux mettre comme ça, je pense qu'on va voir plus facilement. Voilà, donc... Ensuite, bot, c'est génial. J'ai acheté un iPhone juste pour la technologie LiDAR pour le scan. Vous me sauvez. Marmot 7 était plus rapide selon mes tests. Du moins à une époque. Ça, je suis curieux de voir parce qu'on a testé pas mal avec Marmot 7. Ceci dit, Marmot 7 effectivement avait un très bon. C'était peut-être plus rapide au final parce qu'il y avait la visualisation. Donc, du coup, il y avait moins d'aller-retour dans les résultats. Mais à voir. Après, on est curieux. Mais voilà, normalement, on a quand même bien optimisé ça et on l'optimise tout le temps. Donc voilà. De toute façon, l'interface, c'est sûrement le point le plus important. Il faut que ce soit agréable. Donc ça, c'est fait, on va dire. Donc je reviens ici et j'appuie sur M pour voir ce magnifique mat tout blanc. Donc ça, c'était la grosse mise à jour. J'essaye de voir si on avait fait d'autres choses importantes. Voilà, donc ouais, non, le baking c'était vraiment le plus gros morceau. Voilà, on pouvait désynchroniser des paramètres. Oui, si on avait aussi bien amélioré le flux de travail avec le format USD. Donc si vous connaissez le format USD, c'est un format qui est open source, qui a été développé par Pixar et qui pour nous représente quelque chose de... représente le présent et l'avenir en fait, parce que c'est un format qui permet de supporter des scènes entières avec toutes le type d'informations qu'on peut imaginer. C'est vous en fait qui décidez ce que vous voulez mettre dedans. Donc avant on le supportait, je crois, à l'export ou à l'import, mais pas à l'autre. Maintenant on supporte à l'import, à l'export avec plus d'options. Donc si vous travaillez dans le VFX, c'est quelque chose qui va vous intéresser énormément. Si vous avez travaillé dans les autres industries, ça peut vous intéresser également parce qu'encore une fois, on pense que c'est vraiment un format qui est solide et qui est bâti et construit pour durer. Donc voilà, on veut soutenir ça, on va le soutenir encore plus dans nos différentes applications. Donc voilà, maintenant on peut exporter en USD comme un nouveau fichier ou lié au fichier USD original. On a aussi fait beaucoup de travail sur la taille physique. La taille physique, en fait, pour respecter, par exemple, quand on met un... Je sais pas, je vais mettre un fill layer de ça dessus. Et normalement, maintenant, on a plus d'infos sur la taille physique. Attendez, je vais essayer de voir que je dise pas de bêtises. Fill UV transformation. Physical size. Voilà, donc on peut choisir ici la taille et ajuster. Pourquoi c'est important? Alors, dans les industries qu'on va dire entre guillemets, de loisirs, entertainment, qui sont jeux vidéo et VFX, c'est important pour
visuellement respecter la taille physique et s'assurer d'avoir de bons résultats. Pour des industries qui vont fabriquer des objets réels, c'est vital en fait. On veut respecter les tailles physiques pour que l'éclairage, la hauteur, les maps de hauteur soient respectées. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a énormément, énormément amélioré. Et voilà, on peut directement switcher, passer à taille physique. Voilà, c'est pour Painter, c'était voilà, le gros morceau, c'était vraiment les bakers. Donc on va faire une petite pause sur le chat. Ah mince, comme un idiot, j'ai pas montré. Attendez, bougez pas. Voilà, pardon, donc je vais juste montrer le baker rapidement. C'était pas affiché. Donc Baker F8. Donc je vais juste rebaker un petit coup pour vous montrer que ça va vite. Voilà. Et là en fait, en haut à droite, vous avez les différentes maps. Donc vous pouvez choisir au final comment visualiser. Donc je vais attendre, voilà. Ici, voilà, vous pouvez choisir pour voir les résultats. Quand vous avez un mesh haute résolution, vous pouvez rajouter la cage et la grille. Ça vous permet de voir s'il y a des mauvaises intersections, en fait, qui voudraient dire si vous avez des parties en rouge, ça veut dire qu'il y a un mauvais baking. Donc encore une fois, je vous invite vraiment à voir le tutoriel de Louise qui est dans les commentaires. Voilà, et pour le reste, la taille physique, c'est ici. Voilà, donc j'avais juste mis un fil layer et on peut passer de l'un à l'autre, mode tiling ou mode taille physique, où on peut définir soi-même la taille physique en fonction du modèle qu'on est en train de peindre. Voilà, désolé pour la petite perte de temps. Continuons. Donc, je reviens sur la presse 2 minutes. Voilà, donc on a vu tout ça. Donc, prise en charge du format USD. On peut importer avec les différentes variations. Amélioration de la taille physique, on l'a vu également. Et maintenant, passons à Stager. Donc dans Stager aussi, une grosse mise à jour, avec notamment ce qu'on appelle les turntables en anglais, c'est-à-dire en fait, ça permet de faire des rendus à 360, comme on peut voir sur la vidéo. Soit en tournant autour, soit en faisant tourner l'éclairage autour. C'est assez facile, je vais vous montrer comment ça marche aussi. On peut maintenant faire des modèles en miroir, c'est-à-dire juste en passant dans les échelles négatives. C'est pratique si vous avez par exemple une paire de chaussures, le pied droit, mais que vous n'avez pas le pied gauche. Bah voilà, en fait, comme ça, vous pouvez faire la version miroir. Et vous pouvez faire les rendus au format temps réel, c'est-à-dire éviter le lancer de rayon. Donc avec une qualité pas forcément inférieure, mais beaucoup plus rapide. Voilà, donc ça, c'est par exemple un modèle... Voilà, le rendu est fait dans Stager. Donc, on a pris l'arbre de OS, on a mis au-dessus la console qui a été modélisée par un de mes collègues et on peut faire un rendu très rapidement. Donc, on va juste passer à Painter deux minutes, à Stager, pardon. Voilà, pour vous montrer comment ça marche, pour vous montrer que c'est quand même super facile. Alors, donc voilà, nous voici dans Painter. Et je vais par exemple, on va faire ça simple, hein. Donc je vais aller d'abord dans l'environnement avant d'aller trop loin. Je mets une couleur un peu plus sombre, parce que pourquoi pas. Hein. Je vais me servir de match et je vais faire une petite vidéo, un de ces quatre, pour montrer tout ça. Et on va chercher match ici. Donc voilà, je vais juste m'assurer qu'il soit à 0,0. J'aurais pu cliquer dessus une fois. Voilà, donc j'ai mon mat et je vais tout de suite créer une caméra pour pas perdre de temps. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et par exemple, ici, ce que vous pouvez faire, je vais vous apprendre un petit truc que vous connaissez peut-être pas. Si vous faites CTRL-CLIC sur les bords, ici, vous pouvez directement ajuster la caméra. Ici, comme un canvas, et barre d'espace, vous pouvez la recadrer. Si vous utilisez Photoshop, j'imagine vous connaissez ça. Là, je vais faire F pour me focaliser sur ce jeune homme. Et on va lui mettre un petit matériel un peu plus sympathique. Voilà, je vais mettre un truc comme ça. Je vais mettre sur le dossier pour m'assurer que ce soit bien sur les trois parties.
Vous avez le matériel ici. On va changer la couleur juste rapidement. Voilà. Voilà, pourquoi pas. Magnifique. Donc maintenant, on revient sur Math. Et maintenant, si vous regardez dans les propriétés, vous voyez que vous avez un autre onglet, animation. Donc si je clique dessus, il y a deux types d'animation. Il y a Orbit et Spin. Alors Spin, c'est assez facile. Donc c'est ce qu'on va faire pour ce jeune homme. Vous voyez que en bas, le plus premier élément, c'est que vous voyez que vous avez une timeline maintenant, une échelle de temps. Donc, par défaut, vous pouvez rien faire, mais dès que je mets un paramètre d'animation, comme ici, spin, là maintenant, ça marche. Et l'animation est déjà faite, en fait. Elle est faite pour vous, vous avez déjà un 360, c'est très facile. Alors, comme il y a des personnes qui m'ont demandé, ok, mais toi, t'as fait, j'avais fait une animation où en fait, c'était la lumière qui marchait. Donc, en fait, j'ai un peu triché. J'ai pris la caméra et la caméra, pareil, c'est un objet, donc elle a cet onglet animation et j'ai mis Orbit. Donc si je fais Orbit et que je tourne, oups, pardon, ça se met en route. Vous voyez que là, maintenant, ça marche par défaut, ça orbite autour de 0, donc c'est parfait. Mais vous pouvez aussi choisir une cible, donc je peux dire Select et je vais choisir le ventre de Matt par exemple. Là, il est un peu trop haut, donc j'ai un moyen de faire un offset. Donc si je fais... moins 1 par exemple. Alors on est obligé pour l'offset. Oups, c'est le contraire. On va faire 1. On est obligé de bouger la caméra pour voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, ça y est, j'ai mon animation. Elle est déjà faite. Donc c'est quand même super rapide. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aller dans Render. Et là, par défaut, il met que c'est à 30 images par seconde. Je peux dire à 60 ou à 15. Et ce qui me fait pour le moment, c'est une série d'images. Donc, et on a le choix, ça c'est une nouvelle fonction, entre lancer de rayon, comme c'était le cas avant, donc avec une qualité supérieure, par contre avec un peu plus de temps, ou real-time qui est extrêmement rapide. Donc si je fais juste une image, première image seulement, si je fais rendu, il me dit qu'il existe déjà, donc je vais faire annuler. On va l'appeler mat vert. Rendu, pouf, c'est assez rapide quand même. Là en fait, j'ai pas mis de limite de temps, donc il va faire tous ses rayons. Si vous êtes pressé, là je vais faire annuler par exemple, vous pouvez dire ok, je veux pas que tu travailles plus de 5 secondes par exemple. Et maintenant, si je fais il va travailler 5 secondes normalement et il va s'arrêter et on aura notre image. Alors pourquoi c'est intéressant? Là vous voyez, elle n'est pas parfaite, peut-être que vous voulez mettre plus de temps, mais si vous avez une vidéo à rendre et que vous voulez pas passer, vous avez un temps limité, vous pouvez dire là par exemple j'ai 90 images à rendre, je veux pas passer plus de 30 secondes par image par exemple. Vous avez également, d'ailleurs il est en train de tout me faire là. Je sais pas pourquoi il fait. Ah, si, c'est un duration. Donc là, il est en train de tout me faire. Donc je vais annuler encore une fois. Et je vais le passer en temps réel pour vous montrer à quel point c'est rapide. Et on va lui dire. Donc qualité médium, 2 fois. Et là maintenant, si je fais rendu, on va laisser faire. Je vais aller. Comment s'appelle la caméra? Mat vert. Je vais aller la chercher. On va chercher le dossier. Voilà, là, il est en train de me faire les images. Donc c'est très rapide. Donc évidemment, vous n'aurez pas la qualité d'un rendu à lancer de rayon, mais vous avez une qualité qui est suffisante et convaincante dans beaucoup de cas. Donc voilà, vous avez les deux options. Voilà, c'est fini en 26 secondes. Vous avez une qualité. Donc je vous montre ici. Voilà ce que ça donne. Ça donne ça. Oups, pardon. J'espère que vous m'entendez. Je suis en train d'arracher le micro. Voilà. Donc après, pour le moment, en fait, ça sort juste les images. Donc il faut aller, par exemple, dans Adobe Premiere pour faire le montage. Normalement, c'est prévu dans des prochaines versions de rajouter la sortie vidéo directement. Mais en fait, on voulait d'abord sortir la fonctionnalité et ça vient ensuite pour que ce soit bien propre. Voilà, pour le miroir, je ne sais pas si j'ai un outil où je peux le montrer. Je vais montrer ça. Donc là, on vient là. Oups. Tiens, j'ai détecté un bug.
Ah oui. Là, vous voyez, j'ai une petite chose à savoir, c'est si vous n'êtes pas à 0 ici, vous pouvez toucher à aucun paramètre. C'est un point qu'on doit améliorer aussi parce que c'est pas forcément clair. Voilà, donc voyons voir si j'ai un outil qui peut me servir. Un objet qui n'est pas trop symétrique. On va prendre ça par exemple. Ce magnifique sac. Donc maintenant, en théorie, si vous faites. Alors là, je fais majuscule clic. Oups, ils ont corrigé ça aussi. Tiens, intéressant. Voilà, donc maintenant, en fait, voilà, du coup, ça, c'est le miroir. Voilà, donc du coup, faites-moi confiance. En fait, c'est la version miroir du mesh. Donc ça, c'est quelque chose qui manquait. Si j'avais une chaussure, ça aurait été plus simple. Mais voilà, en tout cas, vous avez l'idée. Oui, pour la showcase, je pense que tu parles du concours GW. C'était dommage de ne pas avoir le miroir. Effectivement, c'est une des raisons. D'ailleurs, on l'avait signalé à ce moment-là. On avait dit que c'est un peu dommage. Et aussi, le fait que sur 3D7, on a plusieurs chaussures. Mais on a souvent juste un seul côté. Donc maintenant, en fait, le problème est résolu. Et voilà, les turntables, on pense que ça va gagner beaucoup de temps. Ça vous permet de faire vos rendus rapidement. J'en ai fait un il n'y a pas très longtemps. Je vais le montrer, par exemple. Voilà, il est là. Donc ça, je l'ai fait. Ça m'a pris, je crois, de rendu 2 heures, sachant que il y avait 360 frames, si je ne me trompe pas. Et surtout qu'il y a ce qu'on appelle du SSS, dispersion sous-cutanée, qui prend beaucoup de temps à calculer. Donc on peut vraiment faire des rendus sympathiques et surtout très simplement. Après, vous faites ça le soir, vous lancez pendant la nuit. Et c'est ce que je vais faire ce soir. En fait, je pense que je vais faire. Là, j'avais fait en qualité. J'avais donné 40 secondes, je crois, par image. Je vais essayer de faire un rendu avec plus de temps, plus de qualité. Et je vais laisser tourner pendant la nuit. Donc, continuons notre quête. Je crois qu'on a fait le tour à peu près des différentes fonctionnalités. C'est pas ça que je veux voir, c'est ça. 3D Asset, en fait, là, on rajoute juste du contenu. Hein. On en a énormément. On en rajoute tout le temps. D'ailleurs, on est normalement passé comme la plus grosse bibliothèque de matériaux, modèles, environnements, de tout ce qui est éléments 3D sur le marché, jusqu'à preuve du contraire. Donc, on est très fiers de ça. D'autant plus que, comme vous le savez, ce sont des matériaux substances qui sont procéduraux, c'est-à-dire c'est pas chaque matériel n'est pas juste un matériel statique, mais il est accompagné de toutes les variations qu'offrent les paramètres grâce au procédural. Donc c'est 18 000 et plus. On a d'ailleurs ajouté 130 modèles aujourd'hui encore. Et ça n'arrête pas. On en a vraiment beaucoup. Voilà, on a rajouté des matériaux. On a fait une release science-fiction stylisée. Donc ça, c'est cool. Workflow in mind, génial ces updates en français. Bah merci, je vais essayer d'en faire plus. En fait, déjà systématiquement, je vais essayer de les faire pour les live streams qu'on fait en version anglaise. On en fait 2 à 3 par an, mais même moi, voilà, je vais en faire beaucoup plus. Il y aura toujours des anglicismes, désolé pour les puristes, mais voilà, ça en a plus. Donc ça, c'est matériaux stylisés, très joli avec un joli rendu. On a fait, dernièrement, on a fait une association avec un designer CMF, c'est-à-dire couleur et matière de renommée mondiale. Alors, je m'excuse, c'est dommage que Pierre Maheu n'est pas dans le chat, peut-être qu'il y est. Si vous avez le nom sous la main, voilà. En tout cas, il y a un article sur le magazine Substance et c'est assez incroyable. On était super honorés de pouvoir travailler avec ce designer. Voilà, dans la mode. Toujours plus de matériaux. On essaie vraiment de toucher toutes les industries et de sortir de cette idée que la 3D c'est réservé juste aux jeux et aux films. C'est pas vrai du tout. C'est accessible à tout le monde. De plus en plus, on travaille pour ça en tout cas. Des objets. On a évidemment beaucoup d'objets qui sont sur 3D Asset. Des yeux. Alors c'est pas de la photogrammétrie. Personne, aucun humain n'a été, ou chat, n'a été
maltraité durant cette photo. Et on fait aussi des éclairages. Alors, on a des, ce qu'on appelle des stages, des stages en anglais, d'éclairage qui comprennent à la fois la caméra et l'éclairage et des angles de vue qui correspondent bien. Donc ça vous permet, s'il y en a qui correspond à ce que vous voulez, à faire des rendus de très haute qualité sans vous soucier de quoi que ce soit. Et on a aussi des maps d'environnement. Mais les stages, c'est vraiment... Je vais appeler ça mise en scène. Je pense que c'est la meilleure... Les mises en scène, éclairage, image de fond, c'est assez bluffant. Je vous invite à essayer. Voilà. Donc là, par exemple, un exemple. Ce que ça n'a pas donné, c'est encore une fois, ils sont procédurales. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des paramètres. On peut, par exemple, ici, changer le nombre de... Voilà, de fenêtres ouvertes. C'est assez magique et pour faire ça, je peux vous dire que ça a été du travail. On a fait une présentation là-dessus à Adobe Max. Et voilà, faire des environnements procéduraux, c'est assez puissant. Alors, est-ce qu'il y a des modèles paramétrables? Je crois que pas encore. C'est prévu, mais je ne veux pas dire de bêtises. Donc, pour le moment, je crois que c'est des modèles statiques. Donc, un petit point sur les conférences où on va être très prochainement. GTC, avec un T de Thomas. Donc ça, c'est la conférence organisée par NVIDIA. Toujours très intéressant, il y a plein de choses à voir. Donc si vous y êtes, on y est aussi. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et surtout, pour beaucoup, il y a la Game Developer Conference en mars, le 20 et 24. Pour la... Donc ça, c'est voilà, comme chaque année, on est là. Ça va être très cool. Moi, pour la première année depuis longtemps, je n'y serai pas parce que je vais être à OFF Barcelona, qui est un salon pour les graphic designers, très cool aussi. Donc si vous passez par Barcelone, vous pouvez passer du 20, je crois que c'est aussi du 20 au 24, ou aux environs de ces dates. Et je serai également au MIFA en juin, donc ça se passe à Annecy et ça va être très cool. Je crois qu'on a fait le tour, donc on va passer au chat. On va regarder un petit peu tout ça. J'aimerais savoir, est-ce que le son est bon? Normalement, il doit être bon. Mais voilà, confirmez-moi. Aussi, le niveau de la musique, je ne l'ai pas mis trop forte normalement. Donc, Art Center College of Design, si tu parles de dernier article. Non, c'est pas le dernier, Guillaume. C'est celui d'avant. Voilà. Non, c'est pas tout près clairement. Bah, MIFA, Annecy, ça se fait quand même. Tu passes par Lyon, ensuite Annecy. Et Barcelone, Clermont, 5h30, 6h en voiture. Je l'ai déjà fait. Voilà, donc bah, je vais attendre de voir. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais laisser un délai. Je pense qu'on a un petit délai de 30 secondes entre moi qui parle et vous qui recevez. Ok, parfait pour ça. Donc je vais garder à peu près ce setup pour les prochaines fois. Pour voir si des questions arrivent. Si vous voulez voir aussi quelque chose dans les softs, n'hésitez pas aussi à me dire que ce soit sur Discord, sur Twitter. Maintenant, je suis sur Mastodon aussi. Il faut que je le rajoute. C'est cjvini@mastodon.art. N'hésitez pas si vous avez des points que vous aimeriez voir traités. Je vais essayer aussi de faire quelques tutoriaux très bientôt. Donc faites-le moi savoir. Ah, GW qui me demande, je vois ça, si j'ai une grosse config. Oui, qui a été updatée, mise à jour récemment. Donc c'est un Asus Stix, je ne sais plus combien, mais en gros il y a une RTX 3090, je crois qu'il y a 64 Go de RAM. Ça tourne, c'est assez violent. Donc oui, j'ai une bonne configuration. Encore une fois, le conseil qu'on donne en général pour les configurations, c'est bon, une bonne carte graphique, en privilégiant sur la carte graphique la mémoire, la VRAM, comme on dit. Vaut mieux une carte graphique un petit peu moins puissante avec un peu plus de VRAM que le contraire. En tout cas, pour nos softs à nous, c'est souvent la recommandation qu'on donne. Et si vous faites pour un usage professionnel, bah, calculez évidemment le temps que peut, dans l'investissement, vous devez calculer le temps que ça vous fait gagner au jour le jour.
vous avez vu, les rendus sont très très rapides avec une bonne machine, donc c'est à voir. Je vois pas de questions dans le chat, donc je pense que vous en avez pas. Bah écoutez, je vais juste faire un tour. Est-ce que je regarde, c'est pour voir si j'ai rien oublié. Alors, tourne avec quoi comme GPU pour les rendus stager? Voilà, donc un RTX 3090. Donc voilà, ça envoie pas mal. Je connais, c'est pas les HDRI procédurales. Je me demande bien comment cela fonctionne par rapport au HDRI classique. Alors en fait, bah, ça fonctionne de la même manière, sauf qu'en fait, l'image est générée par un fichier substance. Et donc du coup, en fait, on a juste des paramètres en plus. Par exemple, comme on a vu, on a un studio, mais dans ce studio, on peut décider si des fenêtres sont ouvertes ou fermées, par exemple. Donc ça, c'est le genre d'avantage que ça a. On peut choisir l'intensité d'éclairage. J'imagine tout ce que, en fait, la personne qui a créé l'éclairage. Parce que là, pour le coup, c'est pas... Ça a été créé vraiment... La personne a souvent pris un studio, par exemple, dans plusieurs conditions. En ouvrant des volets, en les fermant. Donc voilà, tout ça, c'est fait de cette manière-là. Voilà, ensuite... Question un peu en dehors, mais concrètement, ça a changé quoi pour vous de faire partie d'Adobe? J'ai peur que ça devienne une usine à gaz, toute cette suite Adobe maintenant. Alors, bon, déjà, ça fait 4 ans qu'on est chez Adobe. Il y a eu beaucoup de craintes qui auraient pu être justifiées. Hein. Donc, qu'est-ce que ça a changé? Dans les mauvais côtés, c'est que bah, c'est une plus grosse compagnie. Donc, parfois, il y a des processus qui sont un peu plus longs en interne. Mais rien de bien méchant non plus. Mais bon, c'est vrai, ça peut être. Dans les bons côtés, déjà, ça a été un choix. Ça n'a pas été quelque chose d'imposé, un achat hostile ou quelque chose de la sorte. C'était vraiment que nous, en tant qu'algorithmique, on avait beaucoup de projets qu'on voulait faire en même temps, mais on n'avait pas forcément les reins assez solides pour tout faire à la fois, ni les ressources. Et de l'autre côté, on avait Adobe qui voulait se lancer sérieusement dans la 3D, mais qui n'avait pas d'équipe en place, on va dire, ou peu d'équipe. Il y avait juste l'équipe Adobe Dimension. Et donc, ils avaient besoin d'une équipe, tout simplement. Donc, ça a été un très bon match. Ils avaient besoin de notre expertise dans la 3D et nous, on avait besoin de ressources. Donc, ça nous a offert ça. Ça nous a offert la sérénité dans le sens où on peut essayer des choses sans avoir peur des conséquences, entre guillemets. C'est-à-dire que si on est une boîte comme Algorithmique, qu'on lance un produit et que ça ne marche pas, ça peut faire très mal au niveau entreprise. Au niveau Adobe, on a entre guillemets le luxe de pouvoir faire des erreurs, dans le sens où ces erreurs vont être moins impactantes. Donc voilà, ça nous a permis ça nous permet de travailler plus de choses, ça nous a permis de lancer Stager, de lancer Modeler, de recruter énormément de monde dans les équipes. Ça nous offre une stabilité, une vision à long terme. On a gardé en plus notre... C'est-à-dire que Adobe n'a pas cherché à nous imposer comment faire la 3D. En fait, ils se sont rendus compte qu'on savait faire à peu près, qu'on se débrouillait pas trop mal. On a réussi à prendre toute la place dans le marché du texturing. Donc, ils nous ont dit, bah, continuez la recette et on vous fait confiance. Donc, c'est ce qui se passe, on présente notre vision et jusqu'à présent, en tout cas, on est complètement aligné, donc ça c'est génial. Un autre excellent point, c'est que avant Adobe, on avait une équipe de 5 à 8 personnes qui travaillaient dans la recherche et le développement. C'est bien, mais maintenant on en a plus d'une centaine, avec en plus beaucoup de partenariats, donc ça veut dire beaucoup de choses qu'on peut développer, qu'on n'aurait pas pu développer avant. On a rajouté des fonctions dans Sampler, comme le Patch Match par exemple, qui était une technologie Adobe qu'on a pu intégrer. On a accès à toutes les technologies des autres produits aussi, donc bah, Photoshop, Illustrator, etc. Donc c'est juste énorme. Possibilités. Maintenant, en fait, on n'est plus à se demander qu'est-ce qu'on priorise, parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de possibilités, en fait, et on doit prioriser et savoir ce qu'on va faire.
Voilà, donc après, voilà, globalement, c'est du positif. Après, oui, c'est une grosse boîte. C'est pas non plus, comme beaucoup le font croire, jusqu'à présent, j'étais le community manager et il y a beaucoup de personnes qui essayent de romancer un petit peu. Voilà, c'est une grosse boîte, donc ils sont forcément méchants et veulent détruire le monde, c'est pas ça. Non, c'est une grosse boîte, oui. Après, le but pour nous, c'est que nos utilisateurs soient satisfaits, parce que s'ils ne sont pas satisfaits, ils vont voir ailleurs. Donc, qu'on soit une petite ou une grosse boîte, c'est le même principe. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Ensuite, Lucator qui disait « Aujourd'hui, les fichiers Substance Painter restent assez lourds, ça va changer ?» Alors, il y a des voies de réflexion pour peut-être améliorer ça. Voir si on peut faire des choses incrémentalement, par exemple. Ceci dit, le problème, c'est que en fait, quand tu peins dans Painter, on enregistre toutes tes actions, c'est-à-dire afin de rien perdre. Et surtout, ça, l'avantage, c'est que ça permet, par exemple, si tu modifies les UV, par exemple, de ton maillage et que tu le réimportes, bah, on peut régénérer la texture sur le mesh. Sur le maillage, ça ne va pas poser de problème. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas enregistré les pixels en fait, que tu as peint, mais on a enregistré tes coups de pinceau avec le matériel, l'angle de vue, etc. Donc, ça a des avantages. Par contre, effectivement, l'inconvénient, c'est que ça fait des fichiers assez gros, assez volumineux. Après, tu as un bouton pour nettoyer qui va t'enlever les éléments inutiles. Mais oui, bon, c'est sûr, il y a de la taille. Après, voilà, comme... On réfléchit à des solutions, c'est pas simple, sans casser l'aspect procédural de l'outil. Juste, est-ce que les HDRI procéduraux fonctionnent avec un plugin Substance pour 3ds Max, par exemple ? Non. Sinon, comment modifier dans le soft les paramètres ? Merci. Si je me trompe pas, dans le soft, quand tu prends... Attends, bouge pas, je vais essayer de charger ça. Desktop. Alors, je sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer. Je vais en prendre un. Je ne sais pas s'ils ont des paramètres. Environnement stage. On va prendre atelier. Je ne suis pas sûr qu'ils aient des paramètres. Hein. Je ne sais pas lesquels en ont par défaut. Je ne pense pas celui-là. Environnement. Mais en fait, du coup, si tu vas dans environnement, normalement, ça va se situer par ici. Mais non, ce ne sera pas là. Environnement de light, image, intensity, rotation. Donc voilà, tu auras l'environnement de light ici et les paramètres en tout bas de ci, tu vois, tu les as là. Light, tu peux choisir. Voilà, donc les paramètres seraient là. Ceci dit, ça ne change pas beaucoup. Ici, le rendu total. Je vais débloquer la caméra. Donc, à tester, mais en gros, c'est là où je t'ai montré. C'est environnement, lumière, tu choisis la map, la HDR. Et si c'est une substance, ça va avoir les paramètres en dessous. Vous allez continuer de faire des licences à vie via Steam ? Oui, pour le moment, il n'y a pas de raison de les enlever. Ça fait 4 ans que tout le monde prédit qu'on va arrêter. On les continue, on a rajouté même 3 autres softs. On a rajouté Sampler, on a rajouté Modeler, on a rajouté Stager. Donc, il n'y a vraiment pas de volonté de les enlever. Après, c'est sûr que nous, en fait, 95%, si c'est pas plus, je pense, c'est plus des personnes choisissent la souscription. Je pense que c'est un peu comme Netflix, en fait, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple, on est toujours à jour pour un prix qui reste, on va dire, raisonnable. Donc, mais en tout cas, on sait que pour certaines personnes, ça leur tient à cœur, soit parce que elles veulent posséder le soft. Mais voilà, en tout cas, il n'y a aucune intention de les enlever. Salut Vincent, une mise à jour de Substance Player est prévue ? Non, pas à ma connaissance. Je sais que maintenant, il y a Adobe Bridge qui te permet de lire les fichiers Substance. Donc, je pense que ce sera notre lecteur. Ceci dit, il manque encore quelques fonctions pour que ça fasse tout comme Player.
Mais non, il n'y a pas vraiment de fonction. C'est vrai que ça fait un peu interface des années 90, mais non, c'est pas la priorité. Voilà, donc bah, je vois pas d'autres questions. Merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à rajouter des commentaires pour savoir ce que je peux améliorer dans la présentation, dans le contenu. J'espère que ça vous a plu en tout cas. On se revoit bientôt, comme je vous ai dit, je vais faire plus de soft, plus de présentations de ce genre. Donc voilà, faut juste que je me libère. Je suis en train de changer plus ou moins de position chez Adobe. Je passe de community manager à évangéliste. Alors ça, en anglais, la connotation évangéliste, enfin le terme évangéliste n'a pas la même connotation religieuse qu'en français, mais c'est juste en gros, ça va consister à justement faire plus de présentations, à vous montrer les bons côtés des produits, à répondre à vos questions si vous en avez. Si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à faire savoir. J'essaierai d'intégrer ça dans les prochaines fois. Merci encore et à bientôt. Bye bye.